fait, c'est le dernier jour. On vient de finir les épreuves, les dernières épreuves de XELS. C'était peut-être un petit peu moins difficile que les sujets qu'on avait pu faire pour s'entraîner les autres années. Mais c'était un peu surprenant quand même. Et bon, enfin, ça reste quand même toujours difficile. C'est sûr qu'on. Je pense qu'il y en a peu qui arrivent à faire une moitié des sujets qui sont donnés, donc bah, ça reste difficile quoi. Mais on s'y attendait. Je viens de passer ce matin l'épreuve de physique-chimie pour l'ENS Lyon. Difficile, oui, forcément parce que c'est une épreuve pour l'une des meilleures écoles, mais en même temps c'était très intéressant, il y avait énormément de contenu et beaucoup de questions, donc on pouvait aussi se rattraper sur des choses qu'on connaissait et parfois essayer d'explorer un peu des pistes qu'on n'avait jamais encore essayées avant. Je suis en PC et je viens de passer l'épreuve de physique chimie pour l'ENS Lyon. Je pense que c'est un peu plus dur que ce que je m'attendais parce que hier on avait eu l'épreuve de l'ENS Lyon qui, elle pour le coup, on s'attendait à quelque chose de vraiment compliqué et là celle-là est... J'ai trouvé plus dur. Le premier jour en particulier, c'était un peu stressant parce que moi, du coup, je suis en 3,5, donc c'est la première fois que je passais les concours. Et bah, j'appréhende un petit peu. Et une fois le premier jour passé, donc c'était, on connaissait un peu, enfin, j'avais l'impression d'un peu connaître le milieu, donc ça a été de mieux en mieux. J'ai appréhendé un peu surtout de devoir passer 8 heures d'épreuve dans la même journée parce que c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement et surtout qu'en plus en général quand on fait un DS le samedi matin ou un autre jour, l'après-midi on se dit plus jamais, c'est fini, j'ai pas envie. Et puis finalement ça, je pense qu'avec la concentration, le stress, tout ça, ça fait que ça se passe mieux que prévu. Bon, les épreuves étaient quand même très dures, hein, ça y a pas de doute. Mais c'est vrai que ça met bien en jambes je pense pour la suite et de toute façon c'est une bonne expérience. Comme ça fait une semaine qu'on a des épreuves tout le temps, maintenant on est un peu on est dans le rythme donc c'est un peu comme si une habitude avait commencé à s'instaurer, donc c'est vrai que j'étais un peu moins stressée par rapport au premier jour, mais bon, il y avait quand même le petit stress du départ où voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre. Dans la mesure où quand même, ça fait 2 ans qu'on se prépare à fond, enfin vraiment pour ce moment-là, on s'attendait tous à être un peu plus stressés, je pense, globalement. Enfin, les ressentis des gens sont... C'est au moment que, voilà, que enfin, ça s'est passé et enfin, on pensait qu'il allait se passer quelque chose de plus marquant. Parce que voilà, on a quand même consacré 2 ans à travailler enfin, beaucoup quoi, pour préparer ce moment-là.